Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une expérience d'une petite plante que j'ai. Ça fait maintenant 1 an et demi, voire 2 ans. Et je pense que c'est le moment d'en parler. Il s'agit de ma petite Gravesia SP. Elle est là. Elle est magnifique, non? Franchement, son feuillage, les nervures vertes là, c'est d'un vert clair, surtout quand elle est en pleine lumière, c'est magnifique. Et en dessous, si vous voyez là, elle est grenat, d'une couleur grenat. J'ai en miniature aussi encore un petit bébé, sa version. Donc elle est là. Et si vous remarquez bien, il y a des petits poils sur le feuillage. Alors on voit pas bien. Il y a des tout petits poils sur le feuillage. Voilà. Et donc la Gravesia SP, on la trouve plus particulièrement à Mouramang, sur Madagascar. J'ai voulu vous partager mon expérience un peu sur comment est-ce que j'entretiens cette plante parce que quand j'ai essayé de trouver des informations sur le net, je n'ai absolument rien trouvé du tout, à part qu'elle était originaire de Mouramang, de Madagascar. C'est tout. Et donc, quand je l'ai eue, elle faisait exactement cette taille. Et oui, elle avait 3 feuilles comme ça, et puis elle faisait cette taille. Et donc, quand je l'ai eue les premières semaines à la maison, je l'ai étudiée, beaucoup étudiée, parce que vous savez, quand l'air chez nous est vraiment très sec, la plante le ressent directement. Et donc, elle commençait à se plier, les feuilles, vraiment les feuilles se plier. Et je me suis rendu compte que quand je la pulvérisais les semaines après d'eau chaque matin sur le feuillage et un peu sur la branche du bas là, j'ai remarqué qu'elle se portait beaucoup mieux. Alors, donc j'ai conclu vraiment par expérience que c'est une plante qui aime énormément l'humidité. Après, j'ai essayé de me renseigner un peu plus en anglais. De voir si je trouvais quelques informations en supplément sur cette plante. Et finalement, il disait que elle poussait dans la mousse de forêt, là où elle trouvait de la sphène sur les arbres, sous les arbres, voilà. Et donc, ce que mon expérience avait conclu, qu'elle aimait énormément l'humidité. Donc, la pulvériser chaque matin, c'est l'idéal, vraiment. Donc, il y a, en fait, j'étais partie en congé récemment et je l'ai laissée entre les mains de mon mari. Et donc, je pense qu'elle a manqué de beaucoup d'humidité parce que elle a perdu 4 de ses feuilles qu'elle m'avait fait l'année dernière. Elle en avait 4 vers le haut et une grande en bas. Et quand elle a manqué d'humidité, eh ben, tout s'est mis en train de sécher. Les feuillages, quand je suis arrivée, ils étaient déjà tombés. Ça m'a tellement fait mal au cœur parce que je l'ai tellement finalement chouchoutée, cette plante. Je l'ai trop aimée. C'était vraiment mon coup de cœur. Et je la garde donc pour ma collection et je m'en passe pas, quoi. Voilà. Et donc, elle a perdu ses feuillages l'année dernière. Non, cette année. Cette année, récemment même, il y a 3 mois, elle a perdu ses feuilles du haut et la grande feuille du bas. Mais bon, après, je suis revenue, j'ai changé son pot et son terreau d'origine et je l'ai rempotée dans ce pot-ci. Elle a beaucoup plus d'espace pour pousser et je me rends compte que le mélange à orchidées, pour elle, vraiment le meilleur, si vous avez cette plante chez vous et que vous ne savez pas vous en occuper, c'est de lui mettre vraiment un terreau spécial à orchidées. Et ça marche d'enfer. Là, elle me fait déjà de nouvelles feuilles. Et c'est reparti avec cette plante. Voilà. Elle avait fleuri donc l'année dernière
Elle avait fleuri la première fois chez moi. Elle avait des toutes petites fleurs là en haut de la tête. Elle avait des toutes petites fleurs roses et au milieu, il y avait du jaune. C'était vraiment magnifique. Quand les fleurs ont voulu faire leurs graines, voulu se transformer en graines, du coup les graines ressemblaient à des petites capsules, vraiment toute petite taille comme ça, à des petites capsules là sur le haut de la tête. Toutes marrons, c'était marrant à voir vraiment. J'ai essayé alors de les faire germer dans la tête de coco là, dans ce mélange de sphaigne. Mais je crois qu'il n'a pas vraiment. La graine que j'ai récoltée là-dedans n'a pas germé ou quoi. Ça fait bientôt maintenant, depuis décembre, janvier l'année dernière, après la formation de la graine, je ne trouve pas. Alors celle-ci a poussé dans ce pot, je ne sais de quelle plante il s'agit. Et elle a arrêté de grandir parce que je pense qu'il est maintenant temps de la rempoter dans de la terre. Parce que ça, je pense que ce n'est pas une plante de forêt, mais qu'il restait des graines de forêt dans la sphaigne là. Et elle a germé comme ça. Et celle-ci que vous voyez là, la toute petite, c'est l'Aéringis punctata. Mais l'Aéringis punctata, on en parlera dans une prochaine vidéo et vous verrez les tailles. Mais celle-ci, c'est vraiment un tout petit bébé encore. Voilà. Donc voilà, je la pulvérise chaque matin, ma Gravesia SP. Elle se porte bien, quoi. Voilà. Voilà. À la prochaine!